Et la petite fée avec son petit marteau. Voilà. Allez, on est parti pour la suite. Comme dit, là, je vais pas le refaire immédiatement, selon quand je peux le faire dans le coin. Oh. Un cirque. Oh, cette musique, elle est incroyable. Allez, le dernier niveau du monde 3, l'aérochapiteau des membres. Des mambaristos. C'est dur. Allez, on va aller sous le chapiteau. Allez, musique de jazz. Own. Alors évidemment, comme tout boss qui se respecte, hein, faut lui taper trois fois sur la tête. Hein. Bon, c'est un boss que je trouve cool en vrai, il est très simple. Mais je trouverais très rigolo à affronter. Ouais, alors j'ai pas envie de prendre la cloche. Voilà. Et pour le dernier, je lui réserve beaucoup de patounes. Ah! Je l'ai raté! Voilà, coup de patounes. Ah, ce niveau il est cool. Et niveau terminé. Et je crois qu'il n'y a pas de tampon dans ce genre de niveau. Voilà. Et ben c'est terminé pour ce niveau. Hein. Allez, c'est parti. On a déjà un niveau un peu plus rocailleux, si je puis dire. Alors là, on a un truc. Ça sert juste à avoir une vue, hein, voilà. Oh, il y a Luigi! Il y a Luigi! Je sais pas si on le voit. Attends, comment on peut zoomer? Ah! Là, il y a Luigi. Voilà, je le mettrai sur le montage, mais il y a Luigi qui se cache. Là. Allez, dans le nid des fourmis. Enfin, attends. Oh, des fourmilis. Ah mince, bonne soirée, Linchan. Ouais, c'est encore un petit niveau avec le chat. Après, il y en a qui disent, ouais, le chat, c'est un peu trop pété et tout. Mais moi, bon, en fait, je trouve les items volants quasiment tous pétés, vraiment. Parce que sachant que vraiment quelque chose à ce stade, je sais pas. Non, y a rien. Ah! Voilà. Donc le tampon. Est-ce que la première étoile est ici? Oui! Ok, alors qu'est-ce que tu nous montres? Oh bah il y a une étoile ici déjà. Et l'autre. Et ouais, l'autre. Non, elle est pas là.
Bah la prochaine étoile verte est ici. Voilà, il y a juste à grimper. On va utiliser ça, ça marche aussi. Au moins j'ai fait proprement. Et la troisième étoile est là, tout simplement. Voilà, c'est... Oups. Bon, là, là, je fais un petit take damage, hein, parce que, bon... Et voilà, tout simplement. Ce niveau, encore, il n'est pas très dur, mais demande un petit peu de technique. Allez. Et... On l'a easy. Alors, qu'est-ce qu'on a désormais? Ah, enfin ce niveau je l'aime moins, mais bon, on va le faire. Alors, de toute façon, on va tous les faire. La bourbe aux piranhas rampantes. Allez, les piranhas rampantes, c'est ça. Et elles sont casse-couilles, putain. Alors, pour les tuer, il faut les faire. Il faut. Faut vraiment aller jusqu'au bout. Hein. C'est. Elles sont un peu chiantes, hein. Alors... Bon déjà on met un truc ici. Hein. Ah! Alors moi attends... Alors, on peut sauter sur les piranhas, sinon moi je fais ça. Voilà. C'est encore plus simple. Hein. C'est vraiment tout l'avantage d'avoir deux objets différents. Un sur soi, un dans la box, parce que là, on peut vraiment... On peut vraiment s'adapter à plusieurs situations. Et c'est pour ça, quand vous jouez à Super Mario 3D World, je recommande toujours d'avoir un costume de chat prêt au cas où. Non, j'ai pas raté ça. Qu'est-ce qu'on a là? Faut qu'il n'y a rien du tout. Alors je sais qu'il y a un truc là-haut. Ça sert à rien. C'est... Ouais, mais il y a un truc. Attends, c'est pas un tuyau de TP ça? Je crois que c'est un tuyau de TP. Oh, je vais pas le prendre. Je vais pas le prendre en fait parce que ça en fait c'est un tuyau... En fait c'est une warp zone. Donc si je le prends, bah je vais spoiler les mondes en fait. Et ça, je le montrerai plus tard. Bon, bah, j'ai perdu mon chat. Bref, j'ai tout. Ouah! Voilà. Ah bah je serais pas contre une petite maison champi moi. Allez j'espère avoir... Voilà j'ai eu plein de cadeaux. Plein de cadeaux. Bon moi je prends toujours le costume de chat et le tanuki parce que pour moi c'est les meilleurs items en fait. Et on a un petit mini boss. Barrage de rouler crack. Alors là,
C'est tout. Là encore, le boss est tout simple. Voilà. Et voilà. Et voilà. On sent que je suis un peu trop frais sur ce jeu parce que je connais les niveaux par cœur maintenant. Allez, de nouveaux niveaux. Ah! Alors, 4-3. Ah bah, le 4-3 du coup. Ça s'appelle le bloc bip et clac. Voilà donc. Ah bah en plus on a les super cerises là. Il faut faire attention donc au niveau au niveau sonore. Parce qu'on entend un bip 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 et ensuite ça change de truc. C'est déjà existant sur un autre. Ah putain. Voilà. C'est déjà existant, je crois que c'était sur Super Mario Galaxy, je suis pas sûr. Allez, go. Bon, on va aller doucement. Hein. Bip, 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 hop. Attends, on va le dégager. Il y a un petit truc à gauche, on va aller le chercher. Ok, c'est des pièces. 3, 4. Et on peut y aller. Toujours faire attention à garder les taux de chat parce qu'ils peuvent être très utiles. Et on a un quatrième. Un quatrième compagnon. Non, non, par contre, s'il vous plaît, faites pas les idiots. Parce que c'est, je trouve que c'est très compliqué de garder les quatre en même temps. Hop, hop, voilà. Et le tampon. Bon, on a une autre super cerise, mais bon, on n'a pas besoin de plus. Bon, allez, c'est bon. Ah, c'est stressant, hein. Honnêtement, c'est stressant. Putain, je fais n'importe quoi. Bon. Non, alors pas avec ce costume. je tiens à garder mon chat, moi. Oh, quoique, j'aurais peut-être dû garder le Tanuki pour ce niveau. Bon, tant pis. Bon. Bon là on va un peu honteusement profiter bah, du coup des capacités de la Wii U. Et un désastre a failli arriver. Hein. Allez go. Et là faut sauter en rythme. Putain, j'ai besoin des deux, hein. J'ai besoin des deux, hein. Allez, cette fois on y a, on y est. Allez, go, 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 go. C'est bon. Là, il fallait vraiment mes deux Toads, hein. Ah la vache.
Et un peu plus fastidieux ce niveau, hein. Pas forcément facile. C'est combien de temps là? Oh, ça fait une petite heure là qu'on stream. En vrai, ouais, ça fera un petit stream de 2 heures, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Les rebords sur trampignons. Les bons trampignons. Voilà. Ça c'est un niveau qui est plutôt rigolo aussi. Alors. Allez, go. Ah, il y a un truc ici. Ok, c'est... C'est rien, voilà. Bon, avec le costume de chat, on n'a pas vraiment besoin de ça. Par contre, là... Ah! C'est dur! C'est difficile de les avoir. Allez, go! On a un petit truc ici. Voilà! Oh, on va les prendre, tiens, hop. Bon, c'est super facile, hein, avec le... Hop! Alors, je sais plus si on a besoin. Bon, j'ai le costume de chat, après. Ah oui, on a un truc ici. Bon, en vrai, avec le costume de chat, on broque un peu le jeu, en vrai. Voilà. Allez, on va prendre la fleur de feu. D'ailleurs, je crois que c'est le premier niveau qu'on voit des hérisses, je sais plus. Ah bah ok, la dernière étoile doit être ici. Alors là pareil, hein, si on a le costume de chat, c'est facile. Allez, la dernière partie du niveau. Alors moi ce que je fais c'est qu'avec la fleur de feu ici, je détruis un maximum d'ennemis. Parce qu'ils peuvent être assez pénibles. Ah. Ça c'est rigolo. Voilà. Et on est à la fin. C'est vrai que là les niveaux vont devenir de plus en plus longs. Un petit champi one-up.